Salut tout le monde, bienvenue sur Duplicate Club. On va jouer aujourd'hui une partie Joker à vocabulaire courant. Voilà, c'est-à-dire une partie Joker, comme vous connaissez. On tire le Joker à chaque coup, on le remplace sur la grille par la vraie lettre qu'il est censé remplacer. On fait ça jusqu'à ce qu'on ne puisse plus le faire, puisque quand la lettre n'est plus disponible. Auquel cas, on prend le joker suivant et on continue comme ça jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de joker. Ensuite, on finit la partie normalement. Et vocabulaire courant, voilà, les tops sont des mots a priori connus, que je juge moi de vocabulaire courant. Alors, c'est toujours un peu subjectif, mais si jamais il y a des écarts, n'hésitez pas à m'en parler. Alors, il se peut que parfois le top ne soit pas tout à fait connu, mais enfin le top retenu, mais il y a généralement, quand c'est le cas, d'autres solutions au même score qui, elles, sont de vocabulaire courant. Et puis enfin, généralement, sur les 2 ou 3 derniers coups, il peut y arriver qu'on n'arrive pas forcément à finir dans le registre du courant. Et dans ces cas-là, il peut y avoir 2-3 mots qui sont pas forcément très connus, mais généralement, c'est la fin de la partie, c'est des petits coups, c'est pas des gros scores. Si c'est le cas, j'annule, je reviens en arrière pour arranger les choses. Voilà. Alors, voilà, j'espère que vous êtes prêts. Je vais lancer la partie, donc je vous souhaite une bonne partie. Vous n'avez aucune lettre devant vous. Et vous prenez votre premier joker, forcément. Italie, I. Norvège, N. Océanie, O. France, F. Algérie, A. Italie, I, c'est le deuxième. Joker, Italie 2 fois, Nouvelle-Océanie et Algérie. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Sur ce coup, un maximum à 76 points. Très attention à l'avion retenu. Le joker est remplacé par un U du coué. Au prisement en H4, nous posons fouiner. F, O, le U de U place de joker. I, N sur la centrale. AI. Fouiner H4, ça fait 76 points. Aucune lettre là après ce Scrabble. Vous connaissez, ainsi que Canada, C, Égypte, E, Algérie, A, Belgique, B, Hongrie, H, et Uruguay, U. Vous jouez avec Joker, Canada, Égypte, Algérie, Belgique, Hongrie et Uruguay. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 106 points, verticalement en 5E, le joker sera remplacé par un M de Maroc. Faites attention à la solution retenue. On appuie sur le O de fouiner. Nous descendons en boucha. E. M qui remplace M de Maroc qui remplace le joker. B, O, U de fouiner. U, C, H, A. Emboucha, 5 E, ça fait 106 points. Aucune lettre au reliquat, vous récupérez le premier joker et prenez Algérie A, Luxembourg L, Algérie A deuxième, Venezuela V, Algérie A troisième et Roumanie R. Vous jouez avec Joker, Algérie 3 fois, Luxembourg, Venezuela et Roumanie. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 80 points. Ferez très attention à la dernière lettre du mot. Horizontalement en G7, en collant au-dessus de fouiner, le joker sera un I d'Italie. Nous posons ravaler. R, A, V, A, L, A et le I d'Italie qui remplace le joker. Verticalement, on forme RI en VA et E, AI avec les 4 dernières lettres de fouiner. Ravaler G7, 80 points. Au reliquat, aucune lettre après ce Scrabble. On récupère le premier joker. Et voici Suisse S. Portugal P. Égypte E. Belgique B. Danemark D. Égypte E, c'est le deuxième. Vous jouez avec Joker, Suisse, Portugal, Égypte deux fois, Belgique et Danemark. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. « 87 points ». Le joker est remplacé par un « I » d'Italie, verticalement en 14A, pour mettre un « S », le « S » au bout de « ravaler ». Nous descendons « bipède », « B », « I » d'Italie qui remplace le joker, « P », « D », « E » et le « S » qui transforme « ravaler » en « ravalet », « AIS ». Bipède 14A, ça fait 87 points. Aucune lettre au reliquat. On reprend le premier joker. Suisse S, Océanie O, Tunisie T, Danemark D, Égypte E, Suisse S, c'est le deuxième. Vous jouez avec Joker, Suisse deux fois, Océanie, Tunisie, Danemark et Égypte. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. 85 points. Attention à la solution choisie. Horizontalement en M3, le joker est remplacé par un A d'Algérie. Et de façon à mettre un T au bout de Amboucha, nous jouons Dotas. D. O, T qui vient au bout de Amboucha, le joker remplacé par un A d'Algérie, S, S, E. Attention, nous avons bien joué DOTAS, D-O-T-A-2-S-E, en M3 pour 85 points. Aucune lettre au reliquat. Voici le joker qui est de retour. Égypte E, une fois, deux fois, trois fois. Italie I. Wallonie W. Et Suisse S. Vous jouez avec joker, Égypte trois fois, Italie, Wallonie et Suisse. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 75 points sans utiliser le joker horizontalement en A12. En appui sur le B de bipède, nous posons web, W-E-B-S. Web A12. 75 points. Un reliquat de 4 lettres, Égypte deux fois, Italie et joker. On ajoute Luxembourg L, Italie I, c'est le deuxième, et Xénophon X. Vous jouez avec Égypte deux fois, Italie deux fois, joker, Luxembourg et Xénophon. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Maximum à 97 points. Horizontalement en N8, en partant d'en dessous du deuxième S de DOTAS et en remplaçant le joker par un Z de Zambie, nous posons exilié. E, X, I, L, I, E et le Z de Zambie qui remplace le joker. Verticalement, on forme ce et ex avec les deux dernières lettres de DOTAS. Exilié N8, ça fait 97 points. Aucune lettre. Au reliquat, le premier joker est à récupérer. Et on le complète avec Suisse S, Algérie A, Égypte E, Hongrie H, Égypte E deuxième, et Tunisie T. Vous jouez avec Joker, Suisse, Algérie, Égypte deux fois, Hongrie et Tunisie. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Maximum à 101 points. Le joker est remplacé par un R de Roumanie verticalement en 11 E. On s'appuie sur le L de Ravalet et on met un T au bout de fouiner avec halter. H-A-L de Ravalet. Le T qui transforme fouiner AI en fouiner AIT. E. Le joker est remplacé par un R de Roumanie, ES. Alter, H-A-L-T-E-R-E-S, en 11 E, ça fait 101 points. Aucune lettre au reliquat, si ce n'est le joker qu'on récupère. Et voici également Grèce G, Italie I, Tunisie T, Roumanie R, Égypte E et Luxembourg L. Vous jouez avec Joker, Jordanie, Italie, Tunisie, Roumanie, Égypte et Luxembourg. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un top à 86 points. Vous ferez attention. Non, vous ne ferez pas attention. Il n'y en a qu'une seule à 86, pardon. Horizontalement en O2, de façon à mettre un T au bout de SE pour faire 7. Et en utilisant un A d'Algérie pour remplacer le joker, nous plaçons Réglet. R, E, G, L. Le A d'Algérie qui remplace le joker, I, et T qui forme 7, SET avec SE sur la grille. Réglet O2, ça fait 86 points. Aucune lettre au reliquat. On reprend le joker, le premier joker, ainsi que Norvège N, Maroc M, Italie I, Canada C, Égypte E et Algérie A. Vous jouez avec joker, Norvège, Maroc, Italie, Canada, Égypte et Algérie. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un top à 78 points. Attention à la solution retenue. Horizontalement en C8, on utilisera un E d'Égypte pour le joker avec, on appuie sur le P de bipède, émancipé. E, M, A, N, C, I. Le P de bipède et le joker est remplacé par un E d'Égypte. Émancipé C8, ça fait 78 points. Au reliquat, juste le joker qu'on récupère et on prend Jordanie J. Océanie O, Uruguay U, Océanie O, c'est le deuxième, Norvège N et Égypte E. Vous jouez avec joker, Jordanie, Océanie deux fois, Uruguay, Norvège et Égypte. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 66 points. On fera attention à la lettre que l'on va utiliser pour remplacer le joker horizontalement en J7. Le joker sera remplacé par un S de Suisse. Nous posons jouerons. J-O-U-E. Le R de Alter, O, N et le S de Suisse pour remplacer le joker. Jouerons. J7, ça fait 66 points. Aucune lettre au reliquat après ce Scrabble. On prend le premier joker est toujours disponible. Québec Q. Uruguay U. Roumanie R. Océanie O. Roumanie R, c'est le deuxième. Et Tunisie T. Vous jouez avec Joker, Québec, Uruguay, Roumanie deux fois, Océanie et Tunisie. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. « 82 points ». Le joker est remplacé par un E d'Égypte, horizontalement en B2 pour former Ré avec le E de émanciper. Nous posons « troquer ». T, R, O, Q, U. Le E d'Égypte qui remplace le joker et le R qui forme Ré avec le E de émanciper. Troquer T-R-O-Q-E-R en B2, ça fait 82 points. Au reliquat, aucune lettre après ce Scrabble. On récupère le premier joker et voici Égypte E. Danemark D. Luxembourg L, Norvège N, Luxembourg L, c'est le deuxième, Océanie O. Vous jouez avec Joker, Égypte, Danemark, Luxembourg deux fois, Norvège et Océanie. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un top à 58 points. Attention à la solution choisie. Horizontalement en E1. Le joker est remplacé par un R de Roumanie. En appui sur le E de Amboucha, nous posons rondelle. R de Roumanie remplaçant le joker. O, N, D. Le E de Amboucha, L, L, E. Rondelle, E1. Ça fait 58 points. Aucune lettre au reliquat. Après ce énième Scrabble, il n'y a pratiquement que des Scrabbles depuis le début. Là. Vous prenez donc le premier joker. Grèce, G. Maroc, M. France, F. Tunisie, T. Uruguay, U, 2 fois. Vous jouez avec joker, Grèce, Maroc, France, Tunisie, Uruguay 2 fois. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un top à 33 points. On va laisser le joker sur la grille pour remplacer un I d'Italie verticalement en 1D. On appuie sur le R de rondelle. Nous posons fruit. F, R de rondelle, U. Le joker qui reste sur la grille donc pour remplacer un I d'Italie. Et le T final. Fruit, 1D, ça fait 33 points. Un reliquat de 3 lettres, Grèce, Maroc et Uruguay. On prend le deuxième joker. Norvège, N. Kenya, K. Kenya. Et Tunisie, T. Vous jouez avec joker, Maroc, Uruguay. Non, pardon. Grèce, Maroc, Uruguay, joker, Norvège, Kenya et Tunisie. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un top à 62 points qui va également laisser le joker sur la grille pour remplacer un A d'Algérie horizontalement en B10 en collant au-dessus de émanciper. Nous posons K, K-A. Donc le K, le joker qui est un A d'Algérie et verticalement ça forme K et en AN avec les lettres de émanciper. K, B10, ça fait 62 points. Un reliquat de 5 lettres, Grèce, Maroc, Norvège, Tunisie et Uruguay. On ajoute Norvège N, c'est le deuxième. Et Venezuela V. Vous jouez avec Grèce, Maroc, Norvège deux fois, Tunisie, Uruguay et Venezuela. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un top à 39 points, verticalement en 8A en triple appui sur RE déjà en place et le E final de rondelle. Nous descendons grève, G, R, E, V, E. Grève, 8A, ça fait 39 points. Reliquat de 5 lettres, Maroc, Norvège, deux fois Tunisie, Uruguay. On prend les deux dernières qui sont Portugal, P et Yougoslavie, Y. Vous jouez avec Maroc, Norvège, deux fois Tunisie, Uruguay, Portugal et Yougoslavie. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. 28 points. Horizontalement en L10, en appui sur le S de Alter, nous posons Psy, P-S-Y. Psy en L10, ça fait 28 points. Cinq lettres au reliquat, Maroc, Norvège, deux fois Tunisie, Uruguay. Le sac est vide, mais le tirage est valide. Donc vous cherchez avec ces 5 lettres. Maroc, Norvège, deux fois Tunisie, Uruguay. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 22 points. Horizontalement en F10, en collante et en double appui sur le A de haltère et le E, le deuxième E de bipède, nous posons MAN. M-A-N-N-E. Le M forme MAI, M-A-I, et les deux N forment NA et NI avec les lettres de Ravalet. Man F10, ça fait 22 points. Et il vous reste 2 lettres, Tunisie, Uruguay, c'est un tirage valide, donc chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Le top de ce dernier coup, 12 points, verticalement en 10, B, on transforme KKA en 4, KAT. 4, 10, B, ça fait 12 points. Voilà qui amène la partie à un top de 1273 points pour 19 coups joués. C'est une partie détonnante dans les faits, c'était pas prévu comme ça, mais... Voilà, joker, vocabulaire courant, il y a des chances que ça fasse des points. Allez, on va décoder cette partie. Alors le décodage, je rappelle en quoi ça consiste sur la chaîne Duplicate Club, duplicate.club, on va l'appeler comme ça. C'est tout simplement, on passe la partie en revue, je vous indique à chaque coup les isotopes et les sous-topes. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, je fais défiler les définitions des mots peu courants rencontrés dans la partie. Donc là, comme c'est une partie à vocabulaire courant, eh bien, ce seront essentiellement des sous-tops. Et troisième étape du décodage, je fais défiler, et je dis défiler, je verbalise aussi, hein, les potentialités des tirages, c'est-à-dire les mots de 7 lettres, de 8 lettres et de 9 lettres éventuellement dans certains cas, possibles avec les tirages et qu'on n'aurait pas vu pendant la partie. Voilà, allez, on va décoder tout ça. Alors, au premier coup, nous avons joué fouiner. Pour le même score, il y avait trois verbes en ifia. Bonifia, notifia, tonifia. Et puis, aficion. La définition viendra tout à l'heure, hein. Enfin, les définitions. C'était les 5 possibilités de marquer 76 points. Est-ce que... Ah oui, si, il y avait confié qui mettait le F au milieu, donc forcément on ne pouvait pas le doubler, donc ça faisait 70. Voilà. C'est tout. Alors, le coup suivant. Plusieurs possibilités de quadrupler sur le haut de fouiner. Retenez bien hein, qu'au Scrabble, dès qu'on a joué un premier coup qui recouvre la case soit H5, celle-là, soit H11, celle-là, on a les deux quadruples qui sont ouverts ici. Hein. D'accord? Et on y joue très souvent, dès le deuxième coup, on peut y jouer. Voilà, ouais, c'était la minute pédago. Donc là, on pouvait jouer babouche, déboucha, reboucha. On a retenu emboucha pour essentiellement les possibilités de jouer en 4A, là, ici. Vous voyez, il y a plus de chances avec le E là qu'avec le D ou le B, et puis, ou le R. Et puis en plus, on était obligé de choisir entre déboucha, emboucha, reboucha, puisque là on peut mettre IST, alors que derrière babouche on peut mettre que un S. Et Bochon était un magnifique sous-top à 95 points en triple. Voilà. Et puis toute la série des bûcherats, ébauchats, tout ça, ça fait des points partout. Hein. Alors le coup suivant, les 3A, VL, ça fait penser à avala, le R vient compléter par l'avant, il y a également avalera forcément. Hein. Donc tout ça, ravala, collant, ça faisait 80. En 11B, en mettant un S ou un T à fouiner, ça faisait 78. Avalera en G8, pareil, ça colle, ça fait 77. Ça passait aussi en G9, mais ça faisait moins, hein, puisque le V n'est pas... la collante est plus courte et le V n'est pas sur la case bleue. Et également Carnaval, qui est assez joli. Cavalera. Ravenala. Je vais vous mettre la définition. La définition, je les prépare pendant la partie, mais parfois j'en zappe quelques-unes. Ravenala n'est pas un verbe. Alors, le coup suivant. Bipède. Bon, bipédie sur le i, en toute logique, ça faisait... Pardon, 76, bon, bipède en M4 faisait 79, et bipédie en colonne 13 faisait 76. Ensuite, sans scrabler, on marquait 39 avec dessapé ou obsédé, pesade, 37 en M3 en mettant un S à emboucha, pardon. Alors, le coup suivant, on a joué dotas. On pouvait également, on a joué Dotas, on pouvait également jouer Dosat, ça faisait 85. La même chose en décalé faisait 2 points de moins. Et puis des triples à foison en faisant ANT, les deux S ensemble. Et là, on a des bossants, des ossants, des solants, endossants, possédants. Voilà, il y avait matière à tripler là, mais bon. C'était battu par Dotas et Dosate. Alors, le coup suivant, enfin, entre guillemets, un coup on ne scrabble pas. Web, 75 points tout de même. Awele, 48 au pluriel. Ça, c'est quoi ça? Élise, jolie collante. Sans le W, ça faisait 38 et Welsh, 37. Exilié 97 à moins 11, on avait lixivié, hein, c'est un verbe auquel il faut penser dès qu'on a, bon là on n'a pas levé, mais dès qu'on a 2i, xv, l, voilà, il faut penser, ça ressemble à Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, mais, mais non, mais ça y fait penser, voilà, lixivié, un verbe à retenir avec le x. Ensuite, les autres sous-top sans scrabler, XC à 51, en 15C avec le S, axial 48, axile 48 également, et puis pas mal de solutions, toujours à 48, relax, avec un E final, le verbe. Ça faisait 48 aussi avec le X qui double et le mot qui double. Alors là, pas mal de possibilités aussi. On a joué alter en quadruple avec le T qui transforme fouiner, donc ça fait pas mal de points. On a des triples en O1, en O2 pardon, avec le H qui double, mais qui n'arrive pas à dépasser les 101 points de alter. Ils font pas le poids, voilà. Ça fait 98, donc il y a plusieurs possibilités. HT, échatte, éthane, alté. Par contre, alté fait 89 parce que le H ne double pas. Idem, hôtesse en I3, collante intégrale, c'est absolument magnifique. C'est pas le top, mais c'est superbe. Et puis un superbe aussi 9 lettres, élastane en 8A. Alors, le coup d'après, on a joué réglé avec le G qui double, mot qui triple. Ça faisait 7, SET, 86. 3 points de moins, grêlé qui ne doublait pas le G. De même que élargi qui, lui, encore, c'est encore pire, on met le joker sur la case bleue. Donc, ça fait encore 3 points de moins. Et 80 égalé par trigle qui met le joker en pivot, lui, sur le triple. Grivelant dans la série des 8 lettres, des 9 lettres en 8A, là, ça continue, les possibilités. Autres 9 lettres possibles en 10A, une belle place. Là, on peut faire ERAIT, donc on a bigleré, gicleré, gifleré, grivelé, liégeré, etc., etc., ligneré, ligueré. Et puis d'autres Scrabble derrière, plus ou moins joli. Triergole, litarge, même plutôt joli. Aigrelet, etc., etc. Giletier. Alors, émancipé, émancipa, ça faisait 78. Antécime faisait 74 en I8, et puis encore un, alors là c'est un 10 lettres, hein, c'est magnifique, américain, 65, mauricien, même place, 65 aussi, c'est splendide, acheminé, un 9 lettres, 64, cinérama, récrimina, encore un 10 lettres, voilà, ce coup est absolument splendide. S'il n'y avait pas... ouais. S'il n'y avait pas la place de émanciper, là, il y avait de quoi s'arracher les cheveux pour ceux à qui il en reste. Là, on a joué joueront, donc avec le S, ça faisait 66, seul Scrabble possible. Jeuna en L1 faisait 48, donc AS ou AT, Joker, sans la finale 47, Jouta 43, jeton en 4A faisait 40, tout comme Genet et E en 13I, Jaumont en 4A, où il y a plein de solutions à 40 en fait. Hein. Voilà. Jonque. Alors, le troquet ER, le verbe 82, seul Scrabble possible cette fois-ci aussi. Un quarto à 45 en sous-top et quart à 40. Alors là, on a joué rondelle. Même score, on avait bondelle, en toute logique. Et puis donzelle également. C'était la seule place pour scrabbler, enfin en tout cas de façon effective. Sur ce coup, sous top 32 points avec Ndolé en A6. On a joué fruit 33, il y avait fête avec le F en pivot sur une case bleue à 32 ou 31 si on oubliait le S. Et un joli fougato en L2 en collante, égalé par gif et meuf en A8, A9, A7, pardon. Ensuite, KA A62, un classique, le K sur la case bleu foncé et en pivot, c'est-à-dire un mot dans chaque sens. Dunk faisait 46, tout comme junk et tank, 44. Et là, on s'approche de la fin. Grève, 3 points de plus que trêve. Veine en 10F, là où on a joué fête tout à l'heure, 31. Ici, on a joué psy, mi, MYE faisait 26 pour le sous-top. Là, on a joué man, MA2NE. Et là, on a joué tu. Non, on a joué 4, pardon, KAT. Voilà, donc là, c'est fini pour le passage en revue des sous-top isotopes. Et maintenant, on va passer aux définitions des mots peu courants rencontrés dans la partie. Alors, je démarre toujours avec cet affichage-là, ça me permet de faire le calage en début de partie. Un jour, on va le rencontrer dans une partie fair play. Et vous allez voir qu'on va le rater. Alors, afición, passion pour la tauromachie, c'est un mot d'origine espagnole. Babouche, une pantoufle en cuir sans talon. Un ébauchon, une ébauche de pipe en racine de bruyère. Clavarder, c'est un néologisme du Québec qui signifie dialoguer sur Internet. Son participe passé est invariable. C'est un mélange de... C'est un mot valise entre clavier et bavarder. Désoler, débarrasser un cheval de la sole de son sabot. Awalé, on avait awelé, non. C'est un jeu africain, donc awalé, awelé et walé. Il n'y a pas de wélé, W-E-L-E. Ensuite, Welsh, un plat à base de cheddar fondu, spécialité galloise. Lixivier, traiter une substance pour extraire ses constituants solubles. Axile, adjectif qui forme un axe. Éché, oui, on pouvait jouer échatte, E-C-H-A-T-E-S, sur je ne sais plus quel coup, sur alter. Et ça signifie garnir d'une hèche, A-I-C-H-E ou E-C-H-E ou E-S-C-H-E. C'est un appât pour la pêche. Voilà. Éthane, un hydrocarbure saturé. Altéa, alors on pouvait jouer alté sur le même coup. Donc ça s'écrit soit A-L-T-E-A, soit A-L-T-H-E-A, soit A-L-T-H-E-E, soit A-L-T-H-A-E dans la et A. C'est compliqué, hein. Il n'y a pas de alté, A-L-T-E-E. Allez savoir pourquoi. Il y a une raison, hein, mais je ne la connais pas. C'est une plante type guimauve. Hôtesse, c'est un peu comme son altesse. Là, c'est son hôtesse, nom féminin, un terme historique, titre honorifique, donné notamment au sultan. Élastane, avec un ou deux N, c'est une fibre textile d'une grande élasticité. Trigle, poisson marin au museau proéminent, le grondin. Griveler un L ou deux L conjugués avec un E muet derrière. Partir sans payer sa note au restaurant ou à l'hôtel. Antécime, sommet secondaire précédant le sommet principal d'une montagne. Quarto, adverbe, quatrièmement, donc c'est invariable. Bondel, un poisson du lac de Neuchâtel. Une donzelle, terme péjoratif pour désigner une demoiselle. Et fugato, passage musical en style de fugue. Dunk au basketball, c'est un smash. La mie est un mollusque bivalve comestible. Et je crois que c'était tout. Ah non, le cat, ça s'écrit aussi K, HAT et QAT, arbuste d'Arabie dont les feuilles contiennent une substance hallucinogène. Et Ravenala, un arbre de Madagascar qu'on appelle également l'arbre du voyageur. Voilà, alors c'est fini pour les définitions. Maintenant, on va passer aux potentialités des tirages. Donc, je reviens au début de la partie pour faire apparaître le premier tirage. Et je fais ma petite recherche. J'affiche la page qu'il vous faut. Voilà. Donc là, il y aura beaucoup de choses, hein, parce qu'on a le joker à chaque coup. Donc, on va pas s'éterniser. Donc, les 6, là, on les a vus, puisqu'on pouvait les jouer. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait de joli ? On va zapper les rallonges logiques des 6 qu'on a vus là. Donc, il y a Aubifoin, Inféodé, Affinoir, Fignolé, Goinfré, Pontifia, Saint-Foin, etc. Fixation. Voilà. Bon, quelques mots jolis dans cette liste. Alors là, il va y avoir 4 milliards de choses, parce que non seulement il y a les 7 lettres, et donc aboucher, bûchera, débûcha, ébaucha, ébauche. Pourquoi il me le met deux fois, ébaucha? Bon. Embûcha. Et puis après les débauchés, embauchés. Babouche, on l'a vu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bouchage, maubèche. Maubèche, embauche. Chasuble. Branchu. Bachique. Ou bakique. Ah, je sais plus. Eh ben, c'est pas précisé, donc ça doit se prononcer bachique. Alors, voilà, trébucha, le tirage suivant, Avalora, Ravala et compagnie, tout le reste on les avait vus, a priori, ouais. Alors ensuite, bipède, bipédie, rien de plus, et avec une lettre supplémentaire, débaptisé, pendable, perdable, prébinde, ah oui, prébande, prébandé. Ensuite, déplomber, ouais. Alors, le tirage suivant. Bon, là, il y aura plein de trucs. Hein. Déjà, les 2S, A2SE, DOTAS, DOSAT en 7 lettres. Et en 8 lettres, ADOS, oh là, il y en a trop. Custode, Cestode, Sabaudet, Dociste. Voilà, ouais, vous voyez ça défile, un destroy sur un Y. Ensuite, bon avec les 3 E là. Et le W. Oula, magnifique. Edelweiss, la fleur des montagnes. Et rewriter en 9 lettres. Donc, superbe. Alors là, on a eu lixivier, exilié. Donc, on aura forcément les lixiviers. Les lixiviers Ah bah non, 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 on a forcément. C'est E. Pixelisé, exilerait, exigible. Un beau tirage aussi, ça. Bon, là, c'est même pas la peine. Il y avait déjà tellement de Scrabble qu'on a joué, là. Allez, on va regarder juste les 7 lettres. Parce qu'il y en a un qui est sympa, avec le U. Étuse, A-E-T-H-U-S-E. Alté, anthèse. Les autres, on les a vus. Anté, asté et bêta. Et bêta. Le tirage suivant, c'était réglé, grêlé, élargi, trigle, tringle, litrage, ligoté, et puis plein de solutions en appui également, voltiger, déglutir, triergole, on l'a vu, trilogie, trilogue, rigolote, intégrale, filtrage, etc., etc. Alors, là, le émancipé, alors en sec, on avait quoi? Acuminé, aminci, camelin, etc. Bon, il y a plein de choses, hein. Cimenta, chemina, voilà, mécéné, c'est un verbe, ambiance, calamine, cinérama, ça passait ça, cambrien, médocain, dimanche, magicien, éminçage, méfiance, micanite mexicain. Très riche ce tirage. Hein. C'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bugué là, je retrouve plus le... Alors c'était sur P... Ah, Pemmican avec 2 M. Une préparation de viande séchée, je ne connaissais pas. Mohican, médocain, on l'a vu, etc., etc., etc. Il y a plein de choses avec ce tirage. Allez, le suivant. Bon, là, on aura les jouerons, rejouons, déjouons, etc. Goujonne. Et voilà. Troquet. Brocard, hein, sur un B. Ouais, brocard. Rétorca. Tronqué, troqueur. Alors là, blondelle, oula, au premier coup, ça fait mal, ça. Hollande. Blondelle au pluriel. Ouais, là, il n'y a rien. Ni en 8, ni en 7, ni en 9. Ici, ça sera certainement pareil. Idem. Peut-être en 9 lettres. Non. Ensuite... Non plus, hein. Pas loin de tympano. Et là, c'est terminé. Voilà. Bon, bah écoutez, merci d'avoir suivi cette partie, ce décodage un petit peu longuet. 25 minutes. Bon, ça va. C'est pas C'est pas la folie non plus. Allez, bah, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne continuation. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, à la chaîne duplicate.club. En parler autour de vous. Contribuer financièrement pour nous soutenir si vous le pouvez. Et puis aussi mettre des j'aime, des commentaires en dessous des parties, des vidéos. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.